ça s'est vraiment bien passé. On a eu plus d'une trentaine de bénévoles locaux, tous des bénévoles qui sont de l'extérieur. Donc nous donner un coup de main en fait, pour toute la mise en place des réseaux. Ça a attaqué donc, début janvier avec l'assainissement, l'évacuation des eaux, des eaux, des réseaux, etc. On est sur un site totalement vierge, un site qui a été préparé spécialement pour la nationale. On va essayer d'accueillir donc, tous les participants dans les meilleures conditions. Le soleil est là, c'est une très bonne chose. Et tout est prêt en fait, pour réussir une belle nationale. Alors à partir de 16h, le site sera ouvert, pas en amont parce qu'on a la commission de sécurité qui passera comme sur chaque national le jour J. À partir de 16h, donc on a un chapiteau d'accueil qui est spécialement dédié à l'accueil des participants, donc avec des fiches, enfin on aura les préinscrits, les non-inscrits qui pourront se rendre sur le site, sachant qu'à date on est à 2200 préinscrits, donc ça sera une belle nationale, on attend à peu près 3000 participants. Ensuite, ils pourront rallier directement le camping, puisque le site sera ouvert, voilà, dans les meilleures conditions. Donc tout est prêt, les emplacements des clubs sont prêts, les emplacements aux personnes en mobilité réduite sont prêts, les sanitaires sont prêtes, il n'y a pas de souci là-dessus, tout sera fait pour le jour J. Côté météo, plus les jours avancent, plus le temps se radoucit, il fera certainement très beau mercredi, très beau jeudi, très beau vendredi, samedi peut-être un peu plus nuageux, on attend une belle nationale avec des très bonnes conditions météo.